The arms dealer is after Victoria. I need to stop him before he gets too close. Man, he already too close. You want my advice? You take that girl and you run. I never did believe in running. According to my sources, girl is in Chicago. Me and the boys are leaving ASAP. I need you along to spearhead the operation. Are you in? Wade. I heard you. You want me to snatch some chick? Name's Victoria. Dom is gonna call you, tell you how to find her. She's in hiding somewhere. You got that? That's a lot of hassle for one chick. She must be special. I need to bring my boys. That means double my fee. Take Lenny with you. He can bring her back when you find her. Lenny, limp dick? Trip on my feet. Sorry, the kid's a dipshit. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Deal. Lenny, come give the man a line. Come on, limp dick. Limp dick Lenny. Shut up, Wade! I like good old Wade, I really do. Son of a bitch makes my skin crawl. That's probably why I like him. Now, Blake Dex is a ruthless son of a bitch for sure, but the guy you really need to worry about is the business partner Dom Osman, owner of the Vixen Club over on Bristol Street. This prick is bad new Holmes, even by my standards. I mean, he's clever and really connected, and it's only a matter of time before he tracks down your girl at the orphanage. How do you know about that? Hey, Chicago knows, I know. Dom ain't all that different. Send me his picture. Now, since every cop in Chicago is hot on your ass, the safest route to the Vixen Club should be through the tunnels next to the Roxy. Good luck, Holmes. Bon, salut à toutes et à tous, et c'est après 3 minutes de vidéo qu'on se retrouve pour ce let's play de Hitman Absolution, épisode 7, si je ne me trompe pas. Donc, une bonne chose, donc là on a un pistolet qui est pas vraiment ce que je souhaite, mais bon, on va le ranger, voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans le précédent épisode? Eh bah écoutez, on a été dans une bibliothèque, puis on est sorti, on a activé la voie du tramway, on s'est barré par le tramway parce qu'on était recherché, enfin bref, c'était un somptueux bordel. Et là du coup, hop, on est à la recherche. Alors on va analyser un petit peu, hein. Alors là-bas il y a un truc à faire. Donc à la recherche d'un gars, apparemment. Donc on va faire ça ensemble, les amis, on va bien voir. Ce serait bien que le truc se casse. Parce que là, du coup, je suis un peu gêné. Alors, peut-être qu'on va devoir... Voilà, il y avait un petit bug à faire A pour que ça disparaisse. Et voilà, c'est bon, c'est pas gênant. Ça peut arriver. Donc on suit un petit peu. D'accord, le truc il est là-bas. Donc on va y aller tranquillou. Merde. Peut-être été un petit peu trop vite en besogne. Bon, le mec avancera pas. Merde. Oulala. J'ai chaud, moi. Apparemment on est recherché. C'est bon à savoir. Ils sont tous les deux. Alors ça serait pas mal si je pouvais m'en faire un. I don't know, it's like an altar or something. It looks like... Hop, je le maîtrise. Du coup, il va ameuter tout le monde. Merde, j'ai brisé le coup vite fait.
Déguisement. Tac. Vite, vite, vite. On te traîne et on te colle vite à l'intérieur du truc. Est-ce que les mecs arrivent ? Est-ce qu'ils arrivent ? Non, j'ai l'impression qu'ils font le tour. Bon, ils se posent pas plus de questions, tant mieux pour moi. On avance. Bon, c'était un mal nécessaire, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse avancer peinard. Donc, du coup, il y a beaucoup de people en haut. Hein. Il y a beaucoup de monde au-dessus. Rien à faire par là. Que des... Ah, si. Activer ça. Voilà. Non, non, c'est pas ce que je voulais faire. Non, je voulais pas rentrer dedans. C'est pas bien grave. Voilà. C'est un petit peu compliqué, mais on y est. Alors, bah, j'ai envie de dire, est-ce que ce truc mène là où je veux qu'il mène ? J'en ai absolument aucune idée. Je pense plutôt qu'il allait justement ici. Hop. J'ai dû louper l'entrée. Louper l'entrée. Ah non, non, c'est bien par là. J'ai rien dit. On monte. Alors, faut aller là-bas, on va passer tranquille. Après tout, alarme de voiture, on va éviter là pour le coup. Hop, on esquive. Et on rentre ici. Bon. Crocheter tranquille, de toute façon il n'y a pas grand monde. Et voilà, on y va. Alors, pourquoi je fais le tour de ce poteau, j'en sais rien. Alors, il y a quelque chose ici. De l'autre côté de ce mur. Et nous allons donc accéder au club. Le seul truc qui me gêne, c'est qu'il y a des vigiles devant. C'est bien qu'ils se séparent. Je peux très bien passer au milieu, mais y a sûrement un moyen de... Genre ça, ouais, voilà. Il y a un accès par là ou pas? Et ils vont se séparer, je pense. Non. Ouais. On regarde pas par là. C'est pas la coche. Moyen de descendre. Alors, il va faire chier lui. Hein. Ils vont pas vouloir que je rentre. Ouais, il y a un cordon rouge et tout, ils vont pas que je rentre. Merde. Pas bien grave. On passe. Ah merde. Ah oui, par en dessous là, à la limite. Ouais, c'était ça qu'il fallait faire à la limite, passer par en dessous pour aller là-bas. Bon, on va essayer de rentrer dans le tas, les amis. On verra ce que ça donne.
Apparemment, on est rentré. I'm just kidding, officer. Special, you want to see some titties, you gotta Come pay. Come on, man. Hank knows me. Hank always comps my entrance. Come on. Hank here? You know Hank? Hank knows me. Ok, on avance. Apparemment, c'est un club assez... je veux dire sympathique, oui. Hein? Oh putain. Oh waouh, oh là là. Excellent. Bon. Le gars est là. Ce serait bien de créer une petite diversion, je pense. Genre culture de courant ou des trucs sympathiques. Alors, on regarde un peu avec l'instinct, y'a pas grand chose à faire, elle se déplace. Alors, on va vers lui. Allez, pousse-toi, dégage. Oh, il est le gars. Putain, il fait le tour. On l'a repéré de toute manière. Il est passé dans le truc Erotic Girl, si je dis bien, de loin. On va y aller également. Hop, ça peut servir. Hein. On ne sait jamais. On va activer le point ici. Hop, voilà. Il est toujours là le gars ou pas? Non, il est en train de danser avec Kenana. J'ai envie de dire toi de manière. En fait, il y a un vigile qui surveille donc du coup. Hop, ça c'est fait. Merde. Ah, ça pue ça. Merde, merde, merde. Je voudrais pas que ce soit un cul-de-sac. Eh bah si, non. Essayez de se planquer dans la foule. Je sais pas si je peux les esquiver. Histoire de se planquer là surtout. Ils vont pas venir, je pense. Par contre, ils sont chauds de l'autre côté. Surtout que je suis sorti du mauvais. Faudra que j'y retourne, mais dans un autre déguisement en fait. Ça serait pas mal. J'avoue que j'ai pas été super. Hein. Alors, il faudrait que je change de tenue. Mais ouais, il y a trois gros bras, c'est chaud. Trois gros bras, c'est chaud quand même. Alright, go on in, brother. You smell like the monkey house at the zoo. Get the fuck out of here. Je vais faire repérer. Je vais faire rentrer. Bon, je sais. Je sais ce qu'on va. Non, je sais pas. Ils arrivent. Donc je préfère m'arracher tranquille. Hey, I don't do rough trade. I ain't interested.
Lui, je vais me le faire. Tranquillou. Ah, il y a un mec en plus, c'est parfait. Pousse-toi, putain, dégage. Il va pas me laisser passer. S'il me laisse passer, voilà. J'attends que l'officier s'arrache. Et suite à ça, hop, je vais revenir avec la tenue de lui. Bon, je sais, ça va mettre un tout petit peu de temps. Mais bon. Bon, allez, hop, allez. Maîtriser. Oh merde, ils approchent à deux, je crois. Ça craint, ça. Hop, je vais traîner en bas. Tac. Est-ce que je peux... Ah, je peux même pas prendre ton déguisement. Ça, c'est pas grave, ça, mec. Ils me recherchent. Les mecs me recherchent. Hey, use your fucking eyes, man. Nah, nothing here, ass bag. Hop, parfait. On va traîner, pareil. Voilà. Déguisement, je m'habille en mec du staff. Et on va pouvoir récupérer le pass que j'ai vu là, d'accord. Ok. Oula. On fait gaffe. Les mecs, ils sont en alerte hein, de toute manière. Hello, Mr. Smith. Hey, if you see that guy, call. Donc on va y aller. En bas, de toute façon, ils savent pas à quoi je ressemble. Ils devraient pas trop se poser de questions. Si. Démasqué. Et merde. Hop, Y. J'ai nulle part où te cacher de manière, donc hop, pas de soucis. Tant que t'as pas communiqué avec tes potes, moi ça me va. Hein. Ah, la boîte est vide quoi. Oh putain. Essayer de se planquer. Le mec, je pense pas que ça soit moi, y a pas de problème. Hop. Alors, où est la sortie? Peut-être qu'il y a des trucs à choper en haut. Je vais faire mon curieux 5 minutes. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est par là qu'on sort. Bon. Hop, crochette tranquillou. C'est parfait. Une prise? Ah ah. Les loges. Who's he supposed to be? I just thought to him. He said if I didn't entertain his friends, I'd be going to Hawaii. Hey, hey. Look, you just gotta entertain his friends. Don't let them think they own you. And just think of something positive. We've all been there, honey. Luckily, you don't ask twice. Just tell me what happens in Hawaii. Faire le pervers à mater de manière dégueulasse. I mean, is it just like a private club? Like the back room? Yeah. Hop, on va monter. On se met en mode à couvert, histoire qu'on se nous regarde un petit peu, mais pas beaucoup. Hop. Alors pour le coup, j'ai pas beaucoup récolté d'items, hein, mais encore une fois,
À force de me suivre, vous devriez le savoir. On n'est pas là pour ça. Oh, il m'a... Oh non, mais... Ils font des vidéos bizarres ici, quoi. Je veux la cassette. Non, bon. Ah, les objets chelous aussi. Oh là là. Pouh. Et de ce côté-là, il n'y a rien à récup. Alors... Écoutez le répondeur. Yeah, it's Wayne. I sent some boys to grab that guy you call Birdie. If he really is working with the hitman, we need his wings clipped now. You call me back when you got a lock on that girl. Dexter smells a fortune. I intend to get my fair share. I'll see you soon, old boy. You were right. Dom was searching for Victoria. I got to him just in time. Good for you, Holmes. Kudos. He was on to you as well. A man is coming. A man named Wade. That guy's crazier than a shithouse rat. You need to get your ass over here right away, because this is about to get very loud and very messy. I have to call you back. Mm-hmm. Un gros merdier, c'est le cas de le dire. Hop, je me planque sur le côté. Et les amis, ça fait 20 minutes que nous sommes ensemble. Et ça me fait plaisir vraiment que vous ayez regardé cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, YouTube, Twitter également sur le inrealgame.fr. Voilà, vous pouvez vous abonner, hein, ça nous fait toujours plaisir. Et au moins, vous serez tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Voilà, je vous dis à tout de suite. Enfin, à tout de suite dans le prochain épisode. Ouais, ça passe, ça j'aime bien. Allez, à tout de suite.